Doamnă și domnilor senatori și deputați, onorați invitați, invit la tribună pe excelența sa domnul Jean-Yves Le Drian, ministru pentru Europa și afaceri externe al Republicii Franceze. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de la Chambre des députés, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs, 15 ans après l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne, je suis très heureux d'être aujourd'hui à Bucarest avec vous, pour célébrer ce qui fut un progrès pour l'ensemble des Européens. Car depuis 15 ans, notre Union est plus forte et plus complète parce que vous en faites partie. Je ne le dis pas seulement au nom de l'amitié qui unit nos deux nations, une amitié qui s'enracine dans l'histoire culturelle, dans l'histoire intellectuelle, et politique que nous avons en partage, une amitié qui nous rappelle la jeunesse parisienne des pères fondateurs de la Roumanie moderne, Alexandru Ioan Cuza, Vasile Alexandri, ou encore les Brătianu, père et fils. Une amitié qui résonne à chaque fois que l'on prononce les noms de Ionesco, Brancuzzi ou de Chorian, qui nous ont tous tant apporté. Une amitié qui, au lendemain de la Révolution roumaine, s'est exprimée par de nombreuses manifestations de solidarité dont je garde pour ma part un très vif souvenir. Une amitié qui, souvent, et c'est un très grand honneur pour nous, se dit en français. Cette langue qui fut une langue de liberté et de savoir pour les jeunes Roumains qui l'ont apprise dans les années les plus sombres de votre histoire et qui aujourd'hui rattache beaucoup d'entre vous à une communauté de 300 millions de francophones à travers le monde. Je le dis aussi parce que la France préside aujourd'hui le Conseil de l'Union européenne et que cette responsabilité permet d'apprécier les atouts qui font la force de notre Europe. Incontestablement, votre économie qui s'est progressivement positionnée sur des secteurs d'avenir et votre engagement dans l'Europe de la défense, y compris au Sahel, compte au nombre de ces atouts. En rejoignant l'Union en 2007, la Roumanie a repris la place qui lui revenait au cœur de notre Europe. C'était un pas de plus sur le chemin qui vous a permis de tourner la page de plusieurs décennies de dictature, de pénurie et d'arbitraire. Et c'était en même temps un pas de plus sur le chemin qui, après un siècle de conflits et de divisions, nous a conduits ensemble à la réunification de notre Europe. Oui, à sa réunification. Je l'ai dit à Prague, au moment où nous commémorions les révolutions de 1989, comme celle qui a commencé pour vous à Timișoara, au cri de liberté et justice. Et je veux le redire devant vous aujourd'hui, au mot d'élargissement, qui d'une certaine manière nous éloigne les uns des autres. Je préfère le mot de réunification, parce qu'il nous rapproche. Le moment historique de 2007 que nous célébrons aujourd'hui a été préparé par le moment historique de 1989, quand notre Europe a pu enfin se retrouver avec elle-même, quand enfin nous avons pu commencer à refermer ensemble
Cette plaie que 1945 avait ouverte au cœur du continent européen, déjà éprouvée et désorientée par trois décennies d'une tragique guerre civile. Quand enfin le rideau de fer qui nous séparait s'est effondré avec cette notion totalement artificielle d'Europe de l'Est qui nous séparait tout autant. En vérité, nos nations sont diverses, mais il n'y a jamais eu qu'une seule Europe, celle qu'ensemble nous appelons la nôtre, celle que 1989 nous a rendue. Ces deux chemins, en réalité, ne font qu'un. C'est la voie que nous traçons en Européens vers un horizon de progrès qui nous rassemble. Un horizon de liberté et de démocratie qui s'ordonne aux principes fondamentaux de notre Union, le respect de l'état de droit, des droits humains, des droits des personnes appartenant à des minorités, de la liberté de la presse, des libertés académiques. Un horizon de progrès social partagé parce que nos concitoyens attendent légitimement de l'Europe qu'elle soit, dans le concret de leur vie, la prospérité au service de la solidarité. Et un horizon, là aussi, de la réunification de nos mémoires dans le respect exigeant de leur diversité, pour que nous puissions pleinement retrouver le fil de notre histoire européenne et en écrire ensemble de nouvelles pages. C'est cet horizon commun qui nous permet d'aller de l'avant aujourd'hui dans un monde lourd de menaces et de défis environnementaux, technologiques, économiques, géopolitiques, en affirmant cette souveraineté européenne qui, face à la nouvelle donne internationale, est bien la meilleure garantie de nos souverainetés nationales qu'elle renforce sans rien leur retrancher. Les pays qui, comme le vôtre, furent menacés par la funeste doctrine Brechnev, que la Roumanie n'a jamais acceptée, savent que la souveraineté ne saurait être limitée. Elle est ou elle n'est pas. Et si on la confisque, alors il faut la reconquérir, comme vous l'avez fait. En revanche, si nous le décidons tous, nous pouvons lui donner un prolongement collectif pour mieux la défendre, c'est-à-dire pour mieux défendre notre capacité à faire nos propres choix contre les stratégies de la dépendance, de la prédation et de l'ingérence qui dessinent aujourd'hui une préoccupante brutalisation de la vie internationale. En affirmant notre souveraineté à 27, nous nous donnons les moyens d'y résister. La souveraineté européenne, c'est tout simplement la condition du plein exercice de nos souverainetés nationales au XXIe siècle. C'est tout le sens que nous voulons donner à cette 13e présidence française du Conseil de l'Union européenne. Décliner cet impératif politique et géopolitique de souveraineté européenne dans tous les domaines, avec vous et avec l'ensemble des 27. Et c'est le sens des grands rendez-vous que nous préparons du sommet Union européenne-Union africaine au forum ministériel pour la coopération dans l'Indo-Pacifique, en passant par le sommet sur le nouveau modèle européen de croissance et aussi par l'endossement par nos chefs d'État et de gouvernement du premier livre blanc de la défense européenne, notre boussole stratégique. Ce qui me frappe, en voyant le chemin que vous avez parcouru et que nous avons parcouru ensemble depuis 2007, c'est que notre projet européen est assez fort pour être tout à la fois ce qui nous permet, à l'échelle de notre continent, de penser les plaies du XXe siècle et qui nous permet d'entrer de plein pied dans le XXIe siècle, fort de ce que nous sommes. Et c'est bien parce qu'il a cette double force que nous soutenons la perspective européenne des Balkans occidentaux qui fait sens au regard du passé comme de l'avenir. Le président Macron l'a redit il y a quelques jours au Parlement européen de Strasbourg
pour nous, les Balkans occidentaux ont toute leur place dans l'Union européenne. C'est pourquoi, sous présidence française, nous organiserons également une conférence qui aura pour objectif d'avancer concrètement vers cette nouvelle étape de notre réunification européenne, en nous appuyant en particulier sur les principes de la méthodologie révisée des négociations d'adhésion. Voilà donc, pour moi, ce que nous célébrons aujourd'hui, un progrès européen. Mais l'actualité nous rappelle que cet immense progrès se heurte au risque d'une régression majeure. Certains, en effet, voudraient tous nous ramener au monde de Yalta, auquel votre courage et votre engagement dans la construction européenne nous ont arrachés. Et cela, nous ne saurions l'accepter sans renoncer à tout ce que nous avons bâti ensemble et à toutes les perspectives d'avenir que nous nous sommes données. Voilà pourquoi, à mes yeux, l'un des plus grands défis que nous avons à relever ensemble, c'est de rétablir une relation de stabilité et de prévisibilité avec la Russie. C'est sans doute le défi d'une génération. Mais c'est en même temps un défi urgent, car il est de plus en plus clair depuis plusieurs années et encore aujourd'hui que notre voisin russe a choisi de se conduire comme une puissance de déséquilibre, en remettant en cause les grands principes de la sécurité européenne que la Russie avait agréé avec nous à Helsinki, puis à Paris, je le rappelle, parce que ce sont des faits, en tentant d'imposer une logique de zone d'influence fondée sur l'affaiblissement et la limitation de la souveraineté des États qui l'entourent, en menaçant aussi certains de nos alliés de l'OTAN et de nos partenaires de l'Union européenne, et en se livrant à des manœuvres d'ingérence jusque sur le territoire de l'Union européenne et de l'OTAN. Pour trouver un nouvel équilibre avec notre voisin russe, nous devons en formuler les principes avec nos alliés et partenaires, et c'est ce que nous faisons. Mais nous devons aussi, nous, Européens, comme nous avons commencé à le faire, en articuler la substance. Car en définitive, cette tâche engage des questions qui ne nous touchent personne comme elles nous touchent. La question de la réunification de notre continent, dont je viens de rappeler le prix. La question de notre sécurité dans un monde de jeu de puissance et de rapport de force. Et dans ce monde brutal, c'est en restant acteurs de notre histoire que nous restons unis et maîtres de notre destin. Unis parce que maîtres de notre destin, maîtres de notre destin parce que unis. Et la question qui se pose à nous aujourd'hui est donc la suivante: comment faire face ensemble? Et pour moi, la réponse tient en trois points. D'abord, en montrant que les principes fondamentaux de l'organisation de la sécurité collective en Europe ne sont pas négociables. Je pense à la souveraineté des États, qui doit être pleinement respectée, à l'inviolabilité des frontières et l'intégrité territoriale des États, à la liberté de chaque État de décider de ses alliances et des organisations auxquelles il souhaite adhérer, ou encore aux droits humains et aux libertés fondamentales dont la portée est universelle. Rien aujourd'hui ne saurait justifier la remise en cause de ces principes qui sont au cœur, je le redis, de l'acte final d'Helsinki et de la Charte de Paris, c'est-à-dire au cœur de ce que la Russie a souscrit. Ce sont pourtant ces principes qui sont menacés aujourd'hui par la Russie. Et s'agissant de l'Ukraine, je veux être extrêmement clair, la Russie doit être consciente du coût qu'elle s'infligerait à elle-même si elle menait une nouvelle attaque contre ce pays, car les Européens ne l'accepteraient pas. Nous en avons pris ensemble l'engagement solennel et nous avons d'ores et déjà commencé à préparer les sanctions massives
que nous adopterions sans hésiter à l'encontre de la Russie s'il fallait en arriver là. Sur la base de ces principes, notre responsabilité est ensuite de chercher à définir avec la Russie les termes d'un dialogue exigeant sur la régulation de notre relation de compétition stratégique. Ce dialogue est indispensable pourvu qu'il soit mené à partir d'un agenda que nous portons. Car on voit bien aujourd'hui que sans règles, une cohabitation avec la Russie est une cohabitation instable et dangereuse. Et dans l'immédiat, notre priorité doit être de rechercher la voie d'une désescalade des tensions. C'est l'effort que nous menons notamment dans le cadre du format Normandie avec l'Allemagne pour obtenir des gestes permettant d'aboutir à la mise en œuvre des accords de Minsk. Ces efforts ont été relancés, vous le savez, lors de la réunion de Paris il y a quelques jours et se poursuivront. Plus largement, depuis 20 ans, nous avons assisté à la destruction progressive de toutes les règles qui encadraient la compétition stratégique, ce qui nous ramène au fond à un monde qui est celui des années 60, c'est-à-dire à un monde où la compétition militaire et stratégique risque de s'exprimer à l'état pur, sans règles ni contraintes. En effet, les traités qui nous liaient n'existent plus ou ne sont plus en phase avec les réalités militaires contemporaines. Il faut donc, sans rien céder au respect des grands principes auxquels je faisais référence tout à l'heure, négocier des règles adaptées aux défis actuels, qu'il s'agisse des armements nucléaires stratégiques qui font l'objet d'un dialogue entre la Russie et les États-Unis et sur lequel nous nous coordonnons étroitement avec Washington, ou qu'il s'agisse des armements conventionnels, des exercices militaires ou bien des mécanismes de prévisibilité des activités militaires. Dans ce dialogue-là, les Européens doivent porter une vision et des positions communes en utilisant les mécanismes de coordination existants. Enfin, alors que nous nous engageons dans ce dialogue avec la Russie, tout à la fois aux côtés de nos alliés et en Européens, nous faisons entendre une voix européenne à chaque fois qu'il est question de la sécurité européenne, tout en réaffirmant évidemment notre plein engagement dans l'OTAN et sa politique de défense et de dissuasion. La première étape de l'intégration de la Roumanie à une communauté euro-atlantique de solidarité et de responsabilité a été son adhésion à l'OTAN en 2004. C'est notre fierté d'y avoir contribué, comme c'est notre fierté aujourd'hui, en tant qu'alliés, partenaires européens et pays amis, d'être à vos côtés, alors que notre environnement de sécurité se dégrade à vos frontières, ce sont aussi nos frontières. Et c'est le sens de l'annonce du président de la République sur notre disponibilité à contribuer à de nouvelles mesures de réassurance au profit de la Roumanie. Cet engagement s'inscrit dans la continuité de notre action pour notre sécurité commune, au travers des missions de police du ciel et dans le cadre des présences avancées de l'OTAN en Estonie et en Lituanie, que la France, évidemment, maintiendra. Je voulais dire aussi que l'intransigeance sur les principes, quand la stabilité et la sécurité de notre continent sont en jeu, la recherche d'un dialogue exigeant avec la Russie, engagement concret et dans la défense européenne et dans l'Alliance Atlantique, ce sont les engagements que les Européens pourraient affirmer pour traduire ce que nous sommes collectivement, c'est-à-dire une grande puissance capable de défendre ses intérêts et capable de se faire respecter, et une puissance d'équilibre et de stabilité attachée aux règles. Voilà, mes chers amis, ce que je souhaitais vous dire en ce 15e anniversaire de l'adhésion de la Roumanie à notre Union. Voilà ce que je voulais vous dire au nom de cette histoire européenne qui nous a réunis, au nom de
cet avenir de souveraineté que nous pouvons construire ensemble et au nom de la fermeté et de l'unité dont nous faisons preuve aujourd'hui pour préserver ces acquis et défendre cet horizon. Je vous remercie. Invit la tribuna pe domnul Florin Câțu, președintele Senatului României. Domnule președinte al Camerei Deputaților, domnule prim-ministru, domnule